par le moulage d'une statuette en argile sèche avec le RTV silicone HR estampé sous plâtre. Donc ici, on commence par placer des plans de joints qui vont nous permettre de réaliser une pièce centrale, qui sera une pièce mobile en silicone, dont là on fait un petit relevé en papier d'aluminium que l'on vient reporter sur de la pâte à modeler. Voilà, on va placer ce petit muret sous les bras de la statuette. Un muret sous les bras, un autre muret à gauche. Puis on va couler donc cette pièce en RTV silicone HR, donc catalysé avec 5% de catalyseur standard. On peut mettre un petit peu d'huile de silicone jusqu'à 10% à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Voilà, on vient couler cette pièce centrale. On a ici retiré la pièce, puis on la replace. Bon, évidemment, les bras et la tête ont cassé puisqu'il s'agit d'argile sèche non cuite. On remet en place donc la tête et les bras. On réalise un plan de joint en argile, ici donc une bande d'argile qui va matérialiser la portée. On voit la pièce en silicone qui a été réalisée précédemment. Ici on creuse un repère sur toute la longueur de la portée. On a appliqué une couche d'alcool polyvinylique, puis une couche de talc. Et maintenant on applique le RTV silicone HR mélangé avec 5% de catalyseur rapide. Si on n'utilise pas le catalyseur rapide, on va utiliser l'additif Tixo et le catalyseur standard, toujours à 5%. Voilà, on finit ici l'application de la première couche. On va attendre que cette première couche soit prise pour appliquer une deuxième couche, puis poser directement des coupons de Verane, donc des tissus de verre Verane, qui sont posés en chevauchant très légèrement. Voilà, quand la Verane sera totalement appliquée, on viendra, après la prise, appliquer la troisième couche du RTV, toujours catalysée comme précédemment. On isole avec un petit peu de vaseline et on place ici des cales de démoulage réalisées en RTV en pâte. On découpe la moitié de la largeur du plan de joint en RTV, puis on réalise une chape en plâtre renforcée. Ici, on voit l'extraction de l'argile qui a servi à faire la portée. On voit que le RTV a été coupé à la moitié de la portée. On applique une couche d'alcool polyvinylique, puis une couche de talc. Et maintenant, on recommence les mêmes opérations de moulage pour la deuxième partie du moule, comme pour la première. Donc la première couche de RTV catalysée, toujours avec 5% de catalyseur rapide, ou avec l'additif Tixo. La deuxième couche, puis la Verane. Voilà ici la pose de la Verane. On découpe les morceaux de Verane qui chevauchent de trop. Puis on applique la troisième couche de RTV silicone. Ici catalysé au catalyseur rapide. On découpe la membrane au niveau de la première. Ici on réalise toujours des cales de démoulage en RTV silicone en pâte. On réalise la deuxième chape. Puis on démoule, on voit la remise en place ici des cales de démoulage dans la chape. Puis on procède au démoulage des deux membranes en tirant dans les sens opposés. Voilà, le RTV n'est pas très épais, mais comme il est renforcé avec le tissu de Verane, il est très solide, on peut donc tirer dessus. On va retirer les deux membranes, puis la pièce centrale qui viendra s'emboîter entre les deux membranes. Voilà la deuxième membrane. On va reconstituer notre moule et réaliser une épreuve en plâtre alpha. Donc ici on applique la couche d'impression avec le plâtre alpha. Il s'agit donc de plâtre synthétique, qui est très blanc. Au fur et à mesure de la prise du plâtre, on va charger un petit peu en épaisseur. Puis refermer notre moule et procéder au démoulage. Voilà, l'épreuve sera donc creuse. Et ici, on referme le moule. On passe après au démoulage. On extrait les deux membranes et la pièce centrale.
voilà, l'œuvre terminée. On constate